Take it away. OK. Donc, bienvenue à tous encore. Merci d'avoir pris le temps de nous joindre aujourd'hui. Je m'appelle Faith Tabefor. Je suis coordinatrice pour FP2020 et ma collègue Emily, je travaille avec elle sur l'engagement des jeunes dans la planification familiale. Emily, do you want to do an introduction or? Well, since now I know I can do it in English, I'm less nervous. Yes, so my name is Emily Sullivan, and I'm the Adolescent and Youth Engagement Manager. And Faith is my dear colleague, and we work together on the Adolescent and Youth Portfolio for FP 2020. And we should, you know, please feel free to reach out to us. We will be your partners in all the good work that, and supporters of all the good work that you hope to do. Faith will be giving the overview of FP 2020 today, but feel free to reach out to either of us going forward. And we are very, very excited to be partnering with Louise and with Paulina for this mentoring program. I think it's going to be really wonderful. Great. Merci, Emily. Donc, comme Emily a dit, aujourd'hui, je vais commencer avec une petite présentation sur le partenariat FP2020. Et ensuite, Paulina vous donnera des détails sur le programme de mentorat. Donc, pour commencer, qu'est-ce que le FP2020? Le FP2020 est une communauté internationale composée de partenaires avec l'objectif de faire progresser la planification familiale fondée sur le droit. Le partenariat FP2020 a été lancé lors du sommet sur la planification familiale organisé à Londres en 2012 avec l'objectif de garantir d'ici 2020 120 millions de femmes et de jeunes filles un accès volontaire à des moyens de contraception modernes. Dans le cadre de l'approche de FP2020, les pays s'engagent à développer et renforcer leur programme de planification familiale pour favoriser le progrès. Donc, la vision de FP2020 et que chaque femme et chaque jeune fille doit pouvoir s'exercer son droit de base en tant qu'être humain, de pouvoir contrôler sa propre santé reproductive. Pour les autonomiser, il est essentiel qu'elles bénéficient d'un accès volontaire à la planification familiale. Donc, c'est ça la vision de FP2020. Donc, le programme de planification familiale fondé sur le droit ont un grand impact, notamment à sauver des vies, améliorer la santé de population, renforcer les économies et transformer les sociétés. Concernant la structure de FP2020, premièrement, le FP2020 est piloté par la Fondation des Nations Unies. On a un secrétariat à Washington, D.C. Le secrétariat travaille avec le partenaire afin de soutenir les engagements pris, de partager et de diffuser les meilleures pratiques, de harmoniser les stratégies de communication et les messages envoyés, mais aussi d'accélérer le mouvement international autour de la planification familiale. Le personnel du secrétariat, comme Emily et moi, on travaille en collaboration avec les partenaires pour accélérer l'accès à la planification familiale dans les différents pays FP2020. Donc ici, vous pouvez voir la structure du partenariat FP2020. Et comme je l'ai déjà mentionné, on a les pays qui sont engagés dans le FP2020 qui s'engage à développer, appuyer et renforcer leur programme de planification familiale. Les gouvernements donateurs fournissent des ressources essentielles. Les organisations de la société civile travaillent également à accélérer la planification familiale dans leur pays. Les institutions multilatérales, qui comprennent la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé,
et la Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Les partenaires du secteur privé sont notamment les fabricants de moyens de contraception, les fondations qui financent le lancement de nouveaux projets et qui soutiennent le programme existant, et finalement, le groupe d'organisateurs de l'Agenda FP 2020, qui est composé par la Fondation Bill and Melinda Gates, le Département du développement international du gouvernement britannique, UNFPA et l'Agence des États-Unis pour le développement international. Excusez-moi, Faith. Yes. Can we ask Jacqueline and Mia, could you mind muting yourselves just so we can, you might have some background noise. Okay. Merci. Merci. Moving? Okay. Thank you. Merci. Okay, donc comment la FP2020 fonctionne? Il y a 6 étapes dans le processus. Premièrement, le processus de FP2020 commence dès qu'un pays s'engage. Le partenariat FP2020 met le pays en relation avec le secrétariat et un réseau international de partenaires et de donateurs. Deuxièmement, il y a des points focaux de FP2020 dans chaque pays engagé. Les points focaux sont les principaux représentants du mouvement FP2020 à l'échelle nationale. Les points focaux coordonnent leurs efforts, mais aussi ceux des gouvernements, des autres partenaires, afin de favoriser le progrès pour atteindre les objectifs du pays en matière de planification familiale. Le FP2020 et l'initiative Track 20 travaillent à évaluer les avancées réalisées par rapport aux objectifs du pays. Chaque pays a un plan d'action national pour mener à bien son programme de planification familiale. Cette plan d'action est développé par les gouvernements et aussi des partenaires du FP2020. Tous les 18 mois, le point focal participe à des réunions régionales du FP2020 spécialement organisées par eux. Donc, le plan d'action d'accélération est une liste de priorités à court terme qui décrit les étapes à mettre en place. Donc, le point focal développe un nouveau plan d'action lors de chaque réunion régionale. Donc, je vais m'arrêter ici et Paulina va continuer avec une présentation sur le programme Mentorat. Merci. Okay, can you put the next slide on? D'accord, ok, bonsoir tout le monde. Ravie d'être ici. Bonsoir. Bonsoir. Et un grand merci, Faith et Emily. C'est super, les grandes lignes du programme FP2020. Et là, on va tourner la page et commencer à parler du mentorat. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter le bienvenue au programme de Franco 6, un programme de mentorat. Je m'appelle Paulina et je suis la fondatrice de Mentoring Exchanges. C'est un programme de Anna Bridge, d'un cabinet de développement du leadership qui offre le coaching, le mentorat et l'apprentissage. Aussi, j'aimerais vous présenter ma collègue Louise qui travaille avec moi pour vraiment gérer le programme et s'assurer que tout se passe bien. Ce soir, pour nous, en tout cas, le but de ce webinaire est de présenter le programme et les différents acteurs, préciser la terminologie utilisée et vraiment vous donner des astuces pour tirer le maximum de bénéfices de votre expérience de mentorat. Donc voilà, ça c'est les grandes lignes du programme.
Faith, tu peux avancer la diapositive? Oui. Vous verrez qu'il y a comme ordre du jour, on va commencer par les présentations, le programme, on va passer un peu de temps sur le mentorat, en quoi consiste le mentorat, regarder les astuces pour bénéficier de ce programme, la préparation, et ensuite il y aura du temps pour des questions et des réponses. J'aimerais savoir, par exemple, avant qu'on continue, si chacun peut très très brièvement se présenter leur nom et leur propre pays. Est-ce que, par exemple, on peut commencer avec Mia? Ok, je m'appelle Mia. Je suis coordinatrice nationale d'une association appelée Tanuraïrei. Je suis également membre du comité exécutif de Afrian Madagascar et membre de l'International Youth Alliance for Family Planning. Okay. Je crois que c'est tout. Super, bienvenue Mia. Merci. Jacqueline. Hi, okay, so I'm Jacqueline. I'm a medical doctor working in Cameroon, and I'm also the founder and the coordinator of Youth to Youth, which is a youth-led organization that is advocating for the improved adolescent health care in the conflict zone here in Cameroon. And I am a friend of She Decides and a member of the International Youth Alliance for Family Planning. So that's it about me. Wonderful. Welcome, Jacqueline. Thank you. Et qui d'autre? Je ne vois pas la liste des participants. Il y a d'autres membres ou non? Non, c'est juste Mia et... Oh, ok. Yeah. Louise? Yes? Tu peux te présenter brièvement? Bonjour, je suis Louise. Je travaille avec Paulina, je suis à Paris aussi. Ok, super, d'accord. Donc, en gros, bon, là, je vais présenter le programme du mentorat. Je ne sais pas exactement ce que vous savez déjà, mais Franco 6 est un programme de mentorat qui réunit 6 pays, Burundi, Madagascar, République démocratique du Congo, Cameroun, Tchad, Haïti, et qui a pour but d'apporter un soutien aux jeunes leaders. Donc, je vais présenter les grandes lignes de programme. Donc, on passe à l'autre diapositive. Merci. Comme vous pouvez voir, il y a des objectifs ou un but global qui est vraiment d'apporter un soutien aux jeunes leaders qui travaillent dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive pour des jeunes, c'est-à-dire apporter un soutien à vous comme jeune leader. Et plus précisément, pour vous aider à renforcer vos compétences comme leader dans la promotion et la mise en œuvre des politiques de la santé sexuelle et reproductive des jeunes dans vos pays respectifs. Le programme de mentorat vise aussi à vous aider dans votre développement professionnel. Je pense qu'il faut aussi préciser que ce n'est pas du tout un programme de mentorat portant sur les aspects techniques de la santé sexuelle et reproductive, mais plutôt sur le renforcement de vos compétences comme leaders. D'accord? Ensuite, si on regarde les grandes lignes, on peut voir qu'il y a deux parties clés. Dans un premier temps, le programme se déroulera sur un an, en gros. Et ça comprend deux parties clés. La partie
mentorat et la partie qui s'appelle Learning Labs. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, vous pouvez voir, bon, je vais commencer par le mentorat. Vous serez associé avec un mentor pendant un an et ça veut dire à peu près 10 séances. On sait bien, même si on a un an, il y a toujours des choses qui arrivent, donc on essaie d'avoir au minimum de 10 séances chacun. Et vous vous réuniriez une fois par mois sur Skype ou FaceTime, etc. Ça, c'est vraiment pour vous à décider avec votre mentor pour traiter un thème ou une problématique. Et vous avez, bon, la plupart de vous, ou Jacqueline, vous avez déjà rempli le formulaire? Oui, oui, j'ai déjà fait ça. Super, d'accord. Donc, il faut remplir le formulaire en ligne qui pose des questions sur vos attentes de programme, vos préférences, vos valeurs et votre caractère, etc. Et les mentors éventuels ont fait pareil. Donc, du coup, on utilise tout ce renseignement pour associer les mentors aux mentees. Et ensuite, on vous tiendra au courant pour les associations le 25 octobre au plus tard. Et ça, c'est la raison pour laquelle on veut vraiment que vous finissiez remplir les formulaires ce week-end au plus tard, parce qu'on va commencer les associations lundi. Quant au Learning Lab, la deuxième partie, ce seront des occasions d'aborder en profondeur un thème pertinent à votre mission sous forme de webinar. C'est-à-dire, on va organiser des webinars tous les deux mois. Et c'est vraiment pendant ce temps-là, on peut aborder en profondeur des thèmes qui sont pertinents à votre travail et votre mission. Par exemple, comment communiquer avec Impact ou comment mieux plaidoyer, etc. Mais on va vraiment décortiquer des thèmes qui peuvent être utiles pour vous. Et je crois on a prévu le premier Learning Lab le 3 décembre. Donc, je pense que soit Emily ou Faith peut confirmer, mais je pense que c'est le 3 décembre. Oui, c'est le 3. OK, merci. si on continue, on va parler un petit peu du mentorat. Qu'est-ce que c'est le mentorat? Donc, on passe à l'autre diapositive. On peut continuer. On va commencer par une définition parce qu'on veut vraiment commencer par une compréhension commune. Et on sait depuis un moment, le mentorat est très répandu pendant le monde et parfois ça peut diminuer un petit peu la compréhension de en quoi consiste le mentorat. Donc, je préfère commencer par une définition. Et on utilise le travail d'une référente dans ce domaine qui explique que le mentorat est vraiment une relation particulière entre une personne, le mentor, qui soutient l'apprentissage et le développement et les progrès d'un autre, c'est-à-dire le mentee. Et c'est vraiment une relation entre ces deux personnes qui a pour but le développement, le soutien et l'apprentissage. OK. Et si on parle de... C'est intéressant, juste un petit raccourci. Il n'y a pas beaucoup de vocabulaire en français autour du mentorat. Et c'était intéressant d'avoir des débats sur la terminologie. Pour ceux qui travaillent en français, c'est intéressant d'entendre les différences, mots utilisés pour décrire la même chose. OK, le mentee. Ça, c'est vraiment la personne qui est mentorée. Et il faut bien préciser que c'est...
c'est la responsabilité du menti de prendre en main son auto-développement. C'est le menti qui doit décider lui-même et agir en fonction, et évidemment choisir dans quelle mesure il accepte ou pas les conseils du mentor. Je pense que c'est important de rappeler que le mentorat se base sur le principe de la responsabilité personnelle, ce qui veut dire que c'est le menti qui doit faire le travail. Le mentor peut proposer des pistes à suivre, mais au final, c'est vraiment le menti qui va décider d'agir ou pas. Donc, il y a une plage de choix. OK. La suite. Toujours dans l'esprit du vocabulaire autour de mentorat, j'ai pensé que ce sera une bonne occasion de regarder le mentorat face aux différentes formes de soutien comme le coaching, le consulting, etc. Il y a plusieurs différences clés entre le mentorat et d'autres types de soutien tels que le coaching, etc. Donc, on peut dire par exemple, un coach utilise un processus de découverte pour développer d'excellentes questions pour vos réponses. Donc, un coach vient toujours avec des questions. Un mentor utilise leur riche expérience pour fournir excellentes réponses à vos questions. Donc, un mentor, par contre, s'appuie souvent sur ses expériences et viennent parfois avec des conseils, des suggestions, etc. Et on sait bien qu'un thérapeute, par exemple, voyage dans le passé pour explorer pourquoi ces questions et réponses sont importantes. Et un consultant utilise souvent son expertise technique pour définir et répondre à vos questions. Donc, malgré les similitudes entre les techniques utilisées dans les différentes formes d'intervention, il faut garder à l'esprit que le mentorat se base souvent sur l'expérience du mentor. OK? La suite? D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour retirer le maximum de votre expérience? Je pense que ça, c'est une bonne question. Et là, on va parler des étapes du processus du mentorat, la préparation, par exemple, et comment créer des bonnes relations, signer les contrats et s'y mettre. Donc, si on commence avec la première rencontre, on peut regarder comment préparer votre premier rendez-vous. Donc, dans un premier temps, on vous conseille fortement de lire le manuel. Le manuel du mentorat sera transmis d'ici quelques jours. Cela dit, bon, on vous conseille de lire tout le manuel, mais si vous n'avez pas suffisamment de temps, à minima, lire, par exemple, comment retirer le maximum de bénéfices de votre mentorat et aussi l'annexe 1. Et là, vous avez l'ordre du jour suggéré pour votre première séance. Donc, ça, c'est vraiment important pour la première séance et la préparation en amont. Ensuite, il faut vraiment comprendre votre rôle en tant que menti. Et cela dit, c'est aussi important de comprendre le rôle de mentor. En tant que menti, comme j'avais déjà expliqué, c'est important de comprendre que vous avez la responsabilité d'agir ou pas. C'est tout à fait dans votre gré de agir ou pas agir basé sur les conseils de votre menti. Et le mentor n'est pas là non plus de résoudre, entre guillemets, résoudre vos problèmes. Ils sont là pour vous conseiller, apporter des suggestions et du soutien, etc. Mais ce n'est pas du tout à eux de résoudre vos problèmes. Donc, ça peut être très utile de juste lire un petit peu là-dessus. Ensuite, il faut lire l'accord de mentorat. On va vous fournir un accord de mentorat et il faudra le lire, l'accepter et nous le
retourner signer. Et ça, c'est normal, c'est quelque chose que normalement vous faites lors de la première séance. C'est une seule page, c'est pas du tout une grande lecture, mais c'est une façon de vous mettre d'accord sur votre partenariat et votre implication au mentorat. Ensuite, comme vous pouvez voir, c'est très important de réfléchir à ce que vous souhaitez retirer de cette expérience. Prendre le temps d'y réfléchir. Par exemple, quelles sont vos motivations pour y participer, quels sont vos objectifs personnels et professionnels. Il faut avoir une idée en tête de quoi vous voulez retirer de cette expérience. D'accord? Ensuite, il y a à nouveau des conseils sur le manuel. L'ordre du jour, c'est très important de faire le point là-dessus. Ensuite, je vous conseille fortement de lire la section qui s'appelle Contracting. J'espère que j'ai bien noté les pages, mais quand on parle de Contracting, c'est évidemment c'est un mot anglais, mais ça veut dire le fonctionnement de votre partenariat. Des questions comme comment vous allez être en contact avec chacun. Vous allez être en contact au moins une fois par mois, mais par quel vecteur? Skype, FaceTime, WhatsApp, comment vous allez vous communiquer? À quelle fréquence? Comment allez-vous évaluer le progrès et qui le fera? Que faire en cas de dysfonctionnement? Toutes ces choses-là font partie du contracting. Et ce sont des choses qu'il faut aborder pendant la première séance pour vraiment poser le cadre de votre relation et être clair sur votre fonctionnement au sein de votre partenariat. Préparez une courte introduction de vous-même. Et au final, fixer à l'avance le premier rendez-vous. Il faut toujours programmer les séances en avance. OK? À la suite. Si, par exemple, on parle du premier rendez-vous, quelques conseils. Je dirais le plus important lors de cette première séance est de se présenter et créer la relation, c'est-à-dire faire connaissance et commencer à se sentir à l'aise. Parce que c'est une relation, ça doit être une relation de confiance pour vraiment échanger en profondeur. Donc, un petit conseil, laissez votre mentor mener la première séance. Ça peut changer le prochain rencontre tout au long de votre partenariat, c'est m'est égal. Mais pour la première fois, ça peut être plus facile pour vous de le laisser le faire. Comme j'ai expliqué, la relation est très importante. Vous allez essayer de créer la relation et instaurer un type d'environnement de confiance. Pour la plupart du temps, la plupart des mentors ne travaillent pas dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Donc, évitez au maximum le jargon et les sigles. Et si vous avez besoin de les utiliser, assurez-vous de bien expliquer ce que vous voulez dire parce que ce n'est pas évident pour les autres. À nouveau, c'est très important de discuter le fonctionnement de votre relation, établissez les règles de fonctionnement et au final, c'est très important que votre mentor comprenne vos objectifs. Donc, ça nécessite un peu de réflexion de votre part auparavant. Et, pardon, prochaine. Merci. Quelques astuces. S'il vous plaît, soyez préparés pour chaque séance et ça veut dire apporter des sujets de discussion.
Rappelez-vous que votre mentor ne peut pas résoudre vos problèmes. Il ou elle est là pour vous soutenir ou apporter des conseils, etc., mais pas exactement de régler vos problèmes. Essayez de rester ouvert d'esprit et prêt à écouter et considérer son point de vue. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, vous n'êtes pas du tout obligé de le suivre. Pas du tout. C'est complètement à vous. Mais parfois, c'est très enrichissant d'avoir un autre point de vue. Soyez ouverte au feedback et même de temps en temps d'être remis en question, parce que c'est en sortant de notre zone de confort qu'on grandit vraiment. Et assurez-vous de donner des retours au monteur sur votre relation et la manière dont elle fonctionne ou pas pour vous deux. Donc, j'aimerais mettre l'accent sur la règle d'or qui est la préparation quant à vos objectifs et la manière de quantifier vos résultats et aussi de préparer des sujets de discussion pour chaque séance, parce que c'est votre sujet de discussion qui vont vraiment gérer, conduire chaque séance. Ce n'est pas du tout le mentor qui vient avec des idées. Le but est de discuter des choses, des problématiques, des thèmes, des situations, des défis que vous en avez avec votre mentor. Donc, les idées viennent de vous. Ensuite, on regarde la préparation et on sait, par exemple, que les éléments les plus importants pour la réussite du mentorat sont la préparation et l'implication. Et comme j'ai déjà expliqué, je fais une petite parenthèse ici, la préparation concernant vos objectifs et vos attentes est cela pour chaque séance, parce que vous allez au moins 10 séances. C'est-à-dire que vous venez à chaque séance préparée avec des thèmes ou des problématiques que vous souhaitez aborder pendant la séance. Et bien sûr, s'il y a un souci au sein de votre partenariat, s'il vous plaît, parlez-en. On vous conseille fortement dans un premier temps de le régler entre vous, mais si ça ne fonctionne pas, contactez-nous, on est là pour vous aider, évidemment. Si je reviens à la diapositive, mettez-vous dans l'esprit de la situation. Des rappels, je dirais, c'est important de rappeler que la relation mentor-menti est vraiment fondée sur le respect mutuel. C'est-à-dire que votre relation mentor-menti est fondée sur l'égalité et non sur l'autorité. Et c'est très important de garder ça à l'esprit. Ensuite, la responsabilité de votre apprentissage repose à terme sur vous. Donc, c'est vous qui menez le processus et le rôle de votre mentor est de faciliter la tâche. Comme on sait bien, il y a des alliés, donc soyez flexibles. La vie est toujours là et très présente. À nouveau, et je sais que c'est un point que je martèle assez, mais c'est très important, ce que vous choisissez d'apprendre ou de privilégier dépend de vous seul. Vous n'êtes pas obligé de suivre le conseil ou le guide de votre mentor. Il ou elle est là pour proposer des pistes et des suggestions. Et on sait bien que certains de ces résultats sont tangibles et d'autres ne seront pas visibles qu'à terme, mais cela ne diminuera en rien leur valeur. Ça veut dire que ça peut se manifester à long terme. Donc, voilà. Je pense
Ça, c'est pour, je pense que... Oh, ok, soyez préparés. À nouveau, d'accord. Pardon, Paulina. Oui? Brady vient de nous rejoindre de LDC. Ok, super. D'accord. Est-ce que vous voulez brièvement vous présenter? Bonsoir à tous. Bonjour. Je ne sais pas à l'heure à laquelle vous êtes en train de me voir. Est-ce que ça va? Oui. Allô? Allô. Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas l'air à laquelle vous êtes en train de me recevoir. Est-ce que vous me captez bien? Oui. Ok, donc de prime abord, je tiens à vous présenter mes sincères excuses pour le retard avec lequel je viens vous rejoindre à travers ce webinaire. Donc cela est dit à une mauvaise qualité de la connexion ici, parce qu'il a plu au niveau de notre pays ici, et cela a perturbé gravement la connexion. Mais nous sommes démerdés pour qu'on assiste à cette première étape aussi importante qu'elle soit. Donc, je suis Brady Bilala de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si je dois ajouter d'autres éléments aussi importants que j'ai omis, je ne sais pas. Non, ça va, c'est juste une petite présentation, donc merci et bienvenue. On est presque fini avec cette partie, je vais juste finir les quelques diapositives, un type de résumé. Faith, si tu peux, parfait, si tu peux faire venir le texte. Bon, juste pour conclure, avec le règle d'or, soyez préparés. Réfléchissez, pourquoi vous êtes-vous inscrit à ce programme de mentorat? Qu'est-ce que vous voulez en retirer? Il y a des questions à considérer pour chaque séance. Donc, on vous conseille, par exemple, d'arriver à chaque séance préparée. Même si vous n'avez que 5 minutes avant votre séance, utilisez-les pour mettre au clair ce que vous souhaitez traiter pendant votre séance, parce que c'est vraiment à vous seul d'apporter des sujets à traiter. D'accord? Et je veux juste finir avec ce point que la qualité de vos séances dépend de votre réflexion et de votre préparation en amont qui guideront le processus. Du coup, elles sont des facteurs incontournables dans le succès de votre expérience de mentor. Donc, pour moi, je pense que ça c'est assez pour moi et je vous laisse de poser des questions sur tous les thèmes qu'on a déjà abordés. Voilà. On a des questions? Vous m'entendez? Yes, I can hear you. I don't think what you've shared so far, I am clear with the information you've given, so I don't have a question as of yet. Okay, mm-hmm. Thank you. Any questions? Des questions? Bon, Faith, Emily, peut-être si on n'a pas de questions, je vais juste faire quelques petits points. D'accord, comme je vous ai déjà expliqué, nous vous enverrons le manuel d'ici quelques jours, le manuel de mentorat qui contient beaucoup d'informations. Nous vous présenterons votre mentor par mail. Et on vous encourage de le contacter immédiatement pour programmer votre première rencontre et aussi de vous connecter sur le social media. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de revenir vers nous. Le dernier rappel, c'est de
de remplir bien le formulaire en ligne. S'il vous plaît, faites-le avant dimanche ou plus tard parce qu'on commence les associations lundi. Donc, après lundi, ce sera un peu compliqué. Donc, je compte sur vous de respecter la date limite. D'accord. OK, parfait. Bon, je me mets en mute. Et Faith ou... Oui. Merci, Paulina. Merci. I have une question. I can't, you know, my French is very limited, but perhaps we can ask them each what they are most looking forward to or hoping that the mentoring program can provide to them or what they're looking forward to, just as a closing. Je ne sais pas si tout le monde a compris, mais l'idée, c'est que chacun de vous partagez vos motivations, vos attentes vis-à-vis du programme du mentorat. Donc, peut-être on peut commencer avec Jacqueline. Okay, thank you. So my expectations are that in my career now, where I'm just starting off with advocacy work, and I think that it's a challenging milieu to work in, because to be a clinician and at the same time do advocacy, it's a plus to be a clinician and then do advocacy around healthcare. But how to go about that, I'm just beginning, and I think they see a lot that I want to learn. They see a lot that I still need to know. So I'm looking forward to having guidance around how to effectively advocate for the things that I stand for. And then also, I think guidance too on how to proceed when it comes to making decisions aligned with my career path, and because there are a couple of things that I have that I really want to do now, but being able to know what to prioritize, what to focus energy on, and how to strategically work with what I have, with my desires, my long-term, my short-term and my long-term goals. So I'm looking, and then above all, learning from my mentor, just his experiences. One of the things that helps me a lot is to listen to people's success stories and get even some of the difficulties that they had that the public does not know, and how they stood and how it led them to have made the progress they have made in their career. So getting someone who can share such moments is always inspiring, and it's also something that I'm looking forward to. Wonderful. Okay, Jacqueline, it sounds like you've done a lot of reflection around this already, which is absolutely wonderful, and it's really going to be a wonderful basis for creating a solid and meaningful relationship with your mentor. Thank you, Padena. Mia, est-ce que vous avez eu l'occasion d'y réfléchir ou est-ce que c'est trop tôt? Mia n'est plus là. Oui. Et on a qui d'autre? Brady. Brady, quelles sont vos motivations et vos attentes pour ce programme de mentorat? Merci beaucoup, Emily ou Faith. Je ne sais pas, peut-être parce que vous me captez. Est-ce que vous me captez? Oui. Oui. Vous me captez, ça va, je peux parler? Oui. Excellent. Donc, déjà, je dirais que ce programme de mentorat ou de mentoring est pour moi une grande opportunité comme individu et aussi comme leader communautaire, dans le sens où ça va me permettre de pouvoir accroître mes capacités, mon sens de leadership, à pouvoir gérer, à pouvoir coordonner, à pouvoir leader,
à servir d'exemple chez les jeunes dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Et je pense qu'à travers ces programmes de mentorat, mes capacités communicationnelles, mes capacités de gestion, mes capacités de réflexion seront accrues, donc seront augmentées, et que j'attends beaucoup de ces programmes qui va me permettre d'être un bon leader. Et aussi à être en mesure à partager tout ce que je vais acquérir comme expérience venant de mon mentor aujourd'hui ou demain ou après-demain pour le transmettre à des générations qui vont arriver. Donc, c'est un programme que j'attends vraiment avec impatience parce que il y a plusieurs défis, il y a plusieurs challenges, plus précisément chez le jeune, parce que nous sommes tous sans ignorer que... à l'heure actuelle, il y a plus de la moitié de la population mondiale est composée de jeunes. Et ces jeunes-là éprouvent des difficultés, ces jeunes-là ont des défis à relever. Et je pense que ces programmes de mentorat, allais-je dire, va contribuer à apporter des solutions à travers un certain nombre de défis. Donc, c'est dans ce sens-là que j'attends beaucoup de ces programmes. En termes de formation, en termes de renforcement des capacités, en termes d'orientation, en termes de leadership, pour que, leader que je suis, je sois à mesure d'être outillé et de contribuer à apporter des solutions efficaces et concrètes aux différents problèmes dont rencontre la jeunesse, précisément de mon pays. Je pense que de manière très résumée, ce sont là mes attentes en rapport avec ces programmes et ma plus grande motivation. Merci. Bon, c'est formidable. Malheureusement, Brady, je vous ai perdu vers la fin. J'ai pas du tout entendu la dernière partie, vos motivations. Je peux revenir là-dessus? Oui. Donc, j'étais en train de dire que ma plus grande motivation. C'est résumé en deux volets. Le premier volet, c'est l'apprentissage, c'est ce souci-là de vouloir apprendre de mes mentors, acquérir leur expérience pour qu'ensuite je sois à mesure des capacités aussi mes pères à moi, mes jeunes, mes semblables à mon pays. Parce que, comme je l'avais dit, que la population mondiale à l'heure actuelle est vraiment jeune, donc plus de la moitié. Et ces jeunes-là, qui constituent la moitié de la population mondiale, rencontrent des difficultés, éprouvent des difficultés dans divers domaines. Donc, ces programmes vont me permettre, à travers les connaissances, l'expérience, le leadership, tout ce que je vais acquérir, pour que je puisse transformer mon monde à moi. Ma plus grande motivation, comme je l'ai dit, le premier volet, c'est ce souci-là d'apprendre de ses mentors, leur expérience, leur histoire-récit, tout ce qu'ils ont eu à faire pour pouvoir réussir dans les domaines. Donc, le deuxième volet, c'est à travers ces programmes de mentorat, la transformation de mon individu, de ma vie comme leader. Donc, j'attends beaucoup, je veux me transformer. Je sais que j'ai des capacités, mais cela doit être... encore mûri, doit être renforcé. Donc, j'attends beaucoup de ça, de ce programme qui serait basé sur un certain nombre de principes, notamment l'apprentissage, le respect mutuel, donc la curiosité de vouloir apprendre pour devenir enfin un leader potentiel capable de pouvoir transmettre auprès de ses pairs ce que j'ai acquis. Je pense que de manière résumée, c'est ça. Ok, super. Merci Brady et merci Jacqueline. Donc, je pense qu'on a des motivations, des attentes. Évidemment, il y a des différences, mais il y a des thèmes communs comme l'apprentissage, la formation, le développement professionnel, comment être un bon exemple, comment partager mes expériences. Donc, je pense qu'on est vraiment dans le bon voie. Pour renforcer les capacités,
de plaidoyer, d'être un bon leader aussi, de créer des contacts et se construire des alliances et évidemment de créer et renforcer la résilience nécessaire pour faire le travail, pour soutenir le travail que vous faites. Donc, je pense qu'on est toujours, on est tous dans la même voie et ça, c'est un bon signe. Pour moi, j'ai plus de nouvelles. Je ne sais pas, par exemple, si Faith et Emily veulent finir avec quelques petits mots. Pour ma part, je vais vous envoyer des supports d'ici quelques jours. À nouveau, si vous n'avez pas fini de remplir le formulaire, s'il vous plaît, faites-le avant dimanche. Sinon, on se parlera la semaine prochaine par mail. Merci, Paulina. Pour nous, juste pour dire qu'on aura une autre orientation, un plus de détails pour RP 2020. Donc, nous serons en contact avec vous avec une date exacte pour l'orientation. Et Emily, I don't know if you have any other thing to add. Just wanted to add that we will turn this into a YouTube video that can be shared with the other three young people who were not able to join, who are part of the mentoring program. And we will encourage them to both watch this and complete the survey. Paulina, how many of them have completed the survey? So, it's not bad. We have 3 out of 6. And given that Mia's just joined, we give her a pass until Sunday. Okay, great. So if we have all the mentors, which is wonderful, usually a lot of times it can be one group or the other or both, which is catastrophic. But we do need to have everything done because we do all of our detailed matching process next week. Great. And so Faith, I'll ask you in the follow-up to this immediately, just let people know that we'll be sending a YouTube video once we get it uploaded and remind them to complete the survey ASAP before Saturday evening. Wonderful. Yeah. Can you do that, Faith? Yes. I believe Paulina covered that, or was that the same? Yes. It's the same link. Yeah. Yes. Mm-hmm. Yes. But we just want to send them a reminder. Okay, sounds good. We might want to say this again just for Brady, who may not be so clear on what we're discussing. Oh, Brady, you said Saturday or, sorry, I'm sure Paulina would be better at. Yes. Brady, je me rappelle plus, est-ce que vous avez rempli le formulaire? Brady? Oui, je suis là. Oui. J'ai rempli le formulaire. Oui, tout à fait. Je pense que c'est Brady l'a déjà fait. Donc, je pense qu'on a le formulaire de Jacqueline, Brady et quelqu'un d'autre. Je ne me rappelle plus. Je peux vous envoyer les noms si vous voulez. Ah, sorry, I can send okay. you. Okay, that's fine. Okay. Okay. Merci. Et aussi, Brady, on a enregistré cet webinaire, donc on va partager ça avec vous bientôt. Et je pense que, I think also Faith and Emily were, if I'm not mistaken, you were going to share the PPT as well. Oh, the PowerPoint, oui. Je pense que... Faith va bientôt partager la présentation et ensuite il y aura un type de vidéo sur YouTube auquel vous pouvez faire référence. Ok. Bon, je vous remercie pour votre participation et on est vraiment content de faire ce démarche avec vous. Merci beaucoup, Paulina. Merci. Merci.
Merci tout le monde. Merci et bonne soirée. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Ok, bye bye. Bye.